Pour commencer, tu te connectes sur le site Animoto et tu vas cliquer sur Sign Up. Tu choisis ici la version gratuite de l'inscription et tu remplis de manière assez classique ton email. Tu choisis un mot de passe, ton nom, ton prénom, ainsi que ta date de naissance. Tu peux maintenant commencer. Tu cliques sur Get Started. Et tu arrives ici sur une page sur laquelle tu vas choisir le type de diaporama que tu veux faire. Nous allons ici choisir le deuxième. Celui avec des fleurs, il est joli. Tu cliques maintenant sur le lien en bas à droite qui te propose de faire une vidéo gratuite de 30 secondes. Tu arrives maintenant sur une première page où tu dois choisir les photos que tu vas mettre dans le diaporama. Tu as plusieurs manières de le faire. Nous allons cliquer ici sur Upload. Tu sélectionnes ensuite les photos que tu souhaites ajouter à ton album. Et tu attends pendant le téléchargement de ces photos. Que tu vas maintenant pouvoir manipuler de la manière suivante. Tu peux cliquer sur le bouton Shuffle qui te permet de mélanger l'ordre des photos de manière aléatoire. Et tu vois aussi qu'il est possible de prendre une photo et de l'échanger de place avec une autre. Tu peux ainsi choisir l'ordre dans lequel les photos vont apparaître sur le diaporama. Tu peux également ajouter du texte. Pour cela, de la même manière que pour les photos, tu choisis l'endroit où ce texte apparaît. Par exemple, ici, je mets « Voici Mamie Rosetta ». Et je vais répéter l'opération. Donc, quand je sélectionne une photo, la case texte apparaît après cette photo. Dans chaque champ de texte, tu es limité à un certain nombre de caractères. Ainsi, si tu as une phrase un peu trop longue à écrire, tu peux l'écrire sur deux lignes. Utilise pour cela la ligne d'en dessous. Je répète l'opération. Cette fois, je vais ajouter un texte après la photo de Rosetta, mais avant la photo d'Hector. Cela me permet de mettre un titre en introduction de la photo d'Hector. Une fois que tu es satisfaite du résultat, tu cliques sur le bouton « Done » en bas à droite, ce qui signifie que tu as terminé la préparation du diaporama. Tu vas maintenant passer à la seconde étape qui consiste à choisir une musique de fond pour ce diaporama. Tu peux choisir parmi des musiques qui te sont proposées par Animoto, classées par style, et qui te permettent d'être certaine que tu vas utiliser une musique qui est libre de droit. Nous allons ici choisir, en cliquant sur Select, la musique qui s'appelle Call It Quits. Tu as enfin certains réglages que tu peux personnaliser. Nous allons simplement ici continuer et donner un titre à ce diaporama. Ici, je vais l'appeler ma démonstration d'Animoto et donner une description à ce diaporama. Il me reste simplement à cliquer sur Create vidéo en bas et à attendre que ce soit prêt. Un message t'indique ici que tu n'es pas obligé de rester sur cette page pendant la préparation de ton diaporama. Un email te sera envoyé avec un lien lorsqu'il sera prêt. Quelques minutes plus tard, ta vidéo est prête. Tu peux ici la visionner et en profiter pleinement. La dernière étape consiste à envoyer le diaporama. Tu vas pour cela cliquer sur « Share », cela signifie « Partager ». Une fenêtre s'ouvre et tu vas cliquer sur « Share the link », c'est-à-dire « Partager le lien », et tu cliques à droite sur « Copy link ». Tu peux maintenant fermer la fenêtre et te rendre sur ta boîte email. Tu vas ainsi créer un nouveau message adressé à Rosetta.
dans lequel tu vas coller le lien. Donc, tu écris l'objet de ton message, tu écris un petit mot avec, c'est important, et puis tu fais un clic droit sur ta souris et tu choisis coller. Voilà, il ne te reste plus qu'à envoyer le message et Mamie Rosetta recevra très bientôt ton diaporama.